Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 3 octobre 2020. Il doit être 10h moins 25. Je me suis réveillée à 8h30 ce matin. J'ai super bien dormi, ça m'a fait un bien de folie. J'ai quand même réussi à regarder Koh-Lanta jusqu'au bout. Finalement, j'étais tellement prise dans l'action que voilà, j'étais fatiguée. Mais du coup, quand ça s'est fini, je vais me coucher direct. Ça s'est fini à 23h15, je crois. Comme ça. Enfin bref, donc voilà, c'était bien. Ce matin, regardez. Grand ciel bleu, soleil. Il n'y a pas un pet de nuages. Je suis pas sûre que ça dure toute la journée, mais bon, il fait pas chaud, cela dit. Mais bon, voilà, c'est cool. C'est super agréable de voir ce beau ciel bleu. Donc voilà, ce matin, j'ai fait des petits trucs, lessive, changement des draps, machin truc. Douche. Je suis en zoom. Il est bizarre mon appareil. Ah, je crois que j'étais un petit peu en zoom. Bon, tant pis. Et voilà, donc le programme de la journée. C'est un peu. Il y a un petit programme parce que je vous ai dit qu'il faut que j'aille acheter des trucs pour Alexis. Enfin, un blouson. Et voilà, je sais pas si on va se faire un resto avant ou pas. Enfin, est-ce qu'on s'en fait un ou pas? On sait pas trop. Bref, rien n'est encore vraiment décidé. Bon, ce sera la surprise. Donc voilà, je reprendrai peut-être au cours de la journée, selon ce qu'on fait et tout ça. À tout à l'heure. Voilà, le courrier est passé et j'ai reçu mes cartes cadeaux que j'ai gagnées sur Instagram de chez Jiffy. Je suis trop contente, ça a été hyper rapide. Je crois que je l'ai gagné quand le concours jeudi, il me semble. Enfin, j'ai eu les résultats. Donc voilà. 100€ en magasin en une ou plusieurs fois pendant un an. Donc, c'est trop cool, quoi. Je suis super contente. Donc, je pense pas y aller aujourd'hui ou même... Enfin, je sais pas, de toute façon, j'ai un an. Putain, 100€, c'est énorme, quand même. Oh, truc de ouf. Trop contente. Donc, voilà, il est 11h. On n'a encore pas décidé de ce qu'on faisait ce midi. On réfléchit. Il fait trop beau, putain. Super agréable. Donc voilà. Rentrer. Donc finalement on a décidé d'aller au resto, donc on a été manger au resto qui s'appelle Au Bureau. On y avait déjà été il y a quelques temps, il y a très longtemps. On s'est régalé, on a pris leur spécialité là, leur burger or ou je sais pas quoi, avec donc c'est un buns poivré, il est noir, dedans il y a du chorizo, des oignons, c'était caché, du cheddar, des tortillas, la sauce burger, je crois, tomate, enfin bref, il est super bon, super bon, avec des frites. Moi, c'est David qui a fini mes frites et qui a fini les frites d'Alexis aussi, parce que le burger était super gros, donc voilà, moi je me suis concentrée sur le burger, j'ai mangé peut-être la moitié de mes frites, Alexis a mangé la moitié de ses frites, et on s'est quand même pris un petit dessert. David a pris une grosse glace, j'ai même pas filmé ça. La glace, une grosse glace crunchy, creamy, avec du caramel, enfin plein de trucs. Moi je me suis pris une crêpe au sucre et Alexis s'est pris une crêpe au Nutella. Donc voilà, donc on a très très bien mangé. Donc ce soir ça va être grignotage, enfin salade ou yaourt, enfin bref. Bon, voilà, on n'aura pas très faim, je pense. On a fait des achats, enfin j'ai fait des achats pour Alexis et pour moi, et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc moi je me suis pris ce petit pull là, tout léger, un peu rose pâle. Il y a une petite rayure. Ah, j'ai qu'il va.
qu'il y avait un trou. Une petite rayure grise, donc c'est des manches qui s'arrêtent là. Donc voilà. Donc voilà, ça donne ça. Je l'adore. Il est tout simple, mais voilà. J'aime beaucoup la couleur. Il est tout doux. Par contre, ouais, il est super doux, super agréable. J'adore. Et je me suis acheté un blouson. Et je voulais changer des couleurs, des blousons noirs. Donc je me suis pris un blouson à capuche beige. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc il y a des poches. Donc c'est un... Il est... Ouais, c'est style une doudoune. Donc il y a des poches là, des poches là, des poches là, des poches là. Il est bio, je sais pas quoi là. Bionic Finish Eco. L'imprégnation hydrophobe écologique non fluorée. Fondée sur une recette exemple de fluor. Je sais pas trop. Marquer des trucs là. Anti-salissant, nanana. Bon, enfin bref, c'est un truc vachement bien. Donc voilà. Il est trop beau. Et je vous dis, ça change du noir. Voilà. Je sais pas si vous me voyez bien, mais bon. Donc lui, je l'ai payé 30€, 29,99€ chez CA. Et le pull, 14,99€. Donc c'est un petit pull tout léger. Moi, j'ai un soutif noir en dessous. Donc ça se voit un peu, mais si j'ai un soutif blanc, ça se verra pas. Et pour Alexis, donc l'autre fois, j'avais acheté un jogging LS. Et là, j'en ai repris un. Voilà, c'est celui-là. Enfin, l'autre, il avait des bordures le long. Là, celui-là, il est tout seul, tout simple. Voilà, comme ça. Juste avec la marque, là. Voilà, comme ça, il en a deux. Et un blouson. Alors, j'ai pas trouvé... j'avais du mal à trouver ce qui... Enfin, on a eu du mal à trouver ce qui nous plaisait. Chez Gosport... on a trouvé qu'il y en avait de la marque Wannabe, la marque Gosport, mais il y avait des blousons trop épais, enfin, genre des grosses, vraiment des trucs épais d'hiver. Et là, je voulais un truc mi-saison, mais qui soit quand même chaud, enfin, pas le truc tout fin, vous voyez. Il s'est trouvé ce blouson Adidas. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est un peu, c'est une doudoune avec les bandes. Comme ça. Il est super joli. Enfin, il est tout simple. Voilà. Et il est assez épais. Il est... Est-ce qu'il va, je pense. Hein. Lui, il va super bien. Et moi aussi. Ah ouais, mais il va trop bien. Bon, moi, j'ai qu'un petit truc en dessous, mais il a essayé qu'un gros truc épais, en fait. Ah, il est top. Donc, c'est pour Alexis. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, je vais enlever tout mon boulot d'étiquetage, d'enlever les étiquettes, bref. Donc voilà pour les petites les achats. Et la petite sortie, là, il est pas tard. J'ai du mal à vous reposer. Voilà, il doit être 15h, je crois, même pas. Ah si, 15h30. Et voilà, donc j'enlève les étiquettes. Pour, je sais plus si je vous ai dit ce qu'on est. Pour demain midi, j'avais pensé moi faire une volaille ou une cuisse de dinde et tout, mais finalement, on a acheté. Comment ça s'appelle? Du magret de canard. Je crois que je sais plus si je l'ai dit ce matin. Bref, qu'on va faire à la plancha. Si le temps le permet, et si le temps le permet pas, bon, on fera la poêle et puis. Voilà, donc on a acheté pas mal de magrets de canard. Enfin pas mal, on a acheté plusieurs magrets de canard et ce qui reste, bah, on le mettra au congèle et puis on le mangera à nous quoi. C'était des... Voilà. Et on fera avec des pommes de terre, hein, tout simplement. Il y aura de la salade, du fromage. On a acheté une petite tarte aux framboises. Et une petite tarte au citron, comme ça chacun y trouvera
son compte et c'est jamais perdu les restes chez nous. Donc voilà. Moi j'aime bien ce système là de sortir le matin, enfin, pour manger et puis rentrer dans l'après-midi parce qu'après, hop, ça permet de, bah, voilà, d'avoir fait l'après-midi, de faire plein de trucs. Les blousons, je vais les pendre en bas sur le porte-manteau. Voilà. Je suis super contente. Là, j'avais un petit blouson tout fin. Il me va, hein, mais. En fait, c'est vraiment compliqué, je trouve, en ce moment, de s'habiller. Aujourd'hui, ça. Merde, je roule dessus. Aujourd'hui, ça allait encore parce qu'il fait bon. Quoique, ça s'est hyper assombri. Il n'y a plus de ciel bleu. Hein, c'est le ciel tout noir. Et ouais, il faisait à peu près bon. Mais comme il y a du vent, bah, il fait vite frais. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à savoir comment s'habiller. Tiens, il faut que j'enlève celui-là. Je reprends. Voilà. Ouais, c'est pas évident de s'habiller. La période où c'est jamais évident, en fait. C'est soit trop, soit pas assez, soit. On est rarement bien, quoi. Donc voilà, on va chacun vaquer. Je vais mettre ça à la vitre. On va chacun vaquer à nos occupations. Voilà. Alexis, il a fait un peu de devoir ce matin. Enfin, tout ce qui était pour lundi. Donc, de l'anglais. Il a beaucoup d'anglais. À faire beaucoup de devoirs en anglais. Et mais il aime bien, donc ça va. Donc, il a fait son anglais ce matin. J'ai posé deux questions sur des exercices, un des exercices pour être sûr. En fait, il voulait juste être sûr. Il a fait tout le reste tout seul, voilà. Il a fait un peu de maths. Voilà, faut qu'il continue son livre. Ça, par contre, je suis obligée de lui dire de lire et tout. Mais... Enfin, bref, je sais pas si je vais m'en sortir avec toutes mes étiquettes. Je vous reprendrai. Plus tard, je sais pas à combien j'en suis, je dois pas avoir beaucoup de minutes de vlog là. Je verrai, soit je continue demain, quoi que demain je vais pas beaucoup filmer parce que mes parents, mes beaux-parents, soit je mets un petit vlog en ligne, je ne sais point. Bref, à plus tard. Bon, finalement, je vais clôturer maintenant, mais je vais en rouvrir un tout de suite derrière. Voilà, parce que je pense qu'il y a assez de minutes et comme ça j'aurai. Petit contenu, enfin voyez ce que je veux dire, je pourrais vous faire mettre des blogs en ligne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, à demain j'espère.